Laissez-moi dire que c'est Kounia bataille entre KPT avec Gaël Koni, il prend l'autre dimension. Ça veut dire que bataille prend l'autre phase et m'a dit moi que est-ce que qui est-ce qui a pigo victime non mais qui est en deux et tête exécutif là honnêtement qui ont tête cap coupé. Ouais, au lieu que nous dit que Jean que les Steve était dit qui ont tête qui va le couper hein mais qui tête qui va le couper hein et ben Jean que m'a apprendre là comme information que nous gagne qui va le partager avec les internautes nous yo et bien li prévoit là mais li possible pour c'est toute tête gouvernement connu la couper. Parce que selon toute dernière information que j'ai des Ivenes, et monsieur certain que ou gen en bas tout. Et bien conseil présidentiel transition li convoqué au état major l'armée d'Haïti et la police nationale d'Haïti. Et bien dans cadre réunion qui ont fait dans après-midi que vendredi 8 novembre 2024 là. Après que eh bien pour yo capable repasser en revue ou bien regarder réanalyser disposition qui pral prend dans les cap vini la yo, ça veut dire décision pour révoquer gouvernement Konilan li déjà censé prendre bon côté membre dans conseil là parce que selon toute dernière information et même Gary Konil monsieur qui toute information dans mail gagne 5 conseillers sous 7 conseillers qui ont droit de vote qui déjà signé une résolution et bien pour révoquer Gary Konil t'entends bien ça me dit gagne 5 conseillers sous 7 qui ont droit de vote déjà 5 là-dedans yo signé une résolution et bien pour capable révoquer Gary Konil qui donc, n'a dit que dans les cas venus là, eh bien, ou qu'attendez que conseil présidentiel là, l'histoire ont arrêté qui révoqué Gaël Koni et pas oublié. Depuis Gaël Koni révoqué, c'est tout gouvernement là qui tombé. Et pas oublié tout. Eh bien, 3 conseils que nous cités dans le scandale corruption BNC, ils ont tous les 3 tous signé, eh bien, non, on dit résolution ça. Pendant que un ensemble de secteurs qui a demandé pour que 3 mais sur ça pas là, eh bien, ils ont déjà prouvé que c'est eux mettre payant et eux chef payant, d'ailleurs, c'est eux qui ont nommé Gaël Koni, eh bien, il y a le droit de révocation, il y a le droit de révoquer Gaël Koni des Ibenes. La situation ensemble ça qui annoncé et pour certains il y a dit qu'il y a pas nouvelle parce que quel te KPT a quel te Gaël Koni yo yon yo pas dit. Après la nouvelle citoyen. Hein? Non, Blaise. Après la nouvelle. On a dit pas nouvelle. En plus on a dit la nouvelle et nouvelle lié en Bouza. On a Bouza. Bamzo, c'est parce que yon nan moun sa quel te KPT a quel te Koni yon pas réglé en rien en faveur de la République. Et bataille qui est là, je dis en Blaise Citation, c'est garder qui côté intérêt pays d'Haïti. Vous voyez qu'on y allait avec tout gouvernement. C'est une autre crise que le pays a pris. Qu'on est encore. Même si le conseil présidentiel de transition était installé, nous avons déjà dit ça ici en Blaise. Nous avons dit que c'est une crise entre deux crises qui était déjà existé dans le pays. Exact. Parce que l'autre dans 9 collèges politiques, vous mettez au chita ensemble. Vous savez qu'il y a une philosophie, vous savez qu'il y a une idéologie, vous savez qu'il y a une ambition. Vous n'avez pas qu'à délivrer, machin de disant, tout bon vrai. Vinouin, sorti avec Gaël Koni. Qui te gagne plus passé 12 l'année depuis le patron pays, il n'a pas vraiment maîtrisé ou bien mesuré ce qui a passé dans le pays, il n'a pas de équipe qui était sur le terrain. Je dis, il n'a pas besoin de l'autre résultat que ce soit le cas de la Blaise, soit évalué, ni travail KPT, ni travail conseil présidentiel de transition, on ne peut pas que le cas de une bonne note. Pour ça que moi, même papa, population qui a une note, si ma bonne note, c'est zéro, ma bonne note, c'est zéro, ma bonne ni KPT, ni Koni. Moi-même. Parce que. Je veux dire, si nous avons il y a plus de territoires qui perdu pendant 6 mois, conseil présidentiel transition, 4 mois, gouvernement connaissant. Plus de territoires perdu, plus pour nous quitter la caillou, plus pour nous grand groupe. Et ouais, monsieur Damien, qui est le conseil présidentiel transition, il y a plus envie de la communauté internationale là, au lieu que vous prenez disposition à position pour gérer la question. Oui, nous d'accord. Que Gary Koni, il pratiquement gagne arrogance dans la position là, suite. Avec convocation que le conseil présidentiel a fait, puis il a chita, puis il a gardé. Mais en gros, bon, il y a tout le conseil présidentiel a dit, il a prévoqué le gouvernement Koni. C'est parce que nous sommes d'accord pour que la crise continue à perdre, pour que la crise continue à retenir dans le pays. Après ça, on a pété sous table là, c'est négociation à 30 ans, oui. Puis on a sorti avec une résolution, pour te continuer avec transition, qui a parlé d'élection, bonnement dans l'élection Champouel, qui a parlé, puis on a accouché avec lui. Puis on a mis au cag la campagne. Organe de contrôle, la priorité est de camper pour te contrôler ni action gouvernement, ni action la présidence en général, oui. Pour te contrôler transition, oui. KNS, ça va mettre le camper, oui.
Si vous avez envie de mettre sécurité, Blaise, nous devons comprendre, pas qu'il y a un et trois sérieux qui t'a réglé. Prends chantier de sécurité, by Leslie Voltaire qui n'a pas d'expertise dans la sécurité. Comme si vous prenez un nec qui dit c'est architecte, qui t'a doué non faire étude plan. Et puis, ou arrangez vous. Ou arrangez vous qui sont balis comme responsabilité, sécurité. Qui sa sécurité gagne pour vous avec architecture? Qui sa sécurité gagne pour vous? Qui compte de l'expertise pour ça? Et n'est-ce pas que vous n'êtes pas capable? Vous n'êtes pas capable. Convocation et ou état-major de la MIA, convocation direction générale de la police ou bien directeur général de la police ou bien commandement de la police. L'expression, c'est pour continuer avec mission Tibobo qui obéit la police. Yo servi avec une question état d'urgence sécuritaire pour empêcher la population de manifester. Et bien, c'est augmenter que vous allez augmenter. Sous acidité, sous férocité que la police utilise pour maltraiter les gens qui n'ont la rien qu'à revendiquer droit les personnes. Pas de l'autre bagaille qu'a fait là. Et je veux dire, peuple haïtien a besoin très, très intelligent. Peuple haïtien a besoin de veiller côté à mes pieds parce que dans le moment ça, c'est le moment qui paraît plus difficile, c'est le moment plus compliqué, c'est le moment qui peut être plus mal. C'est le moment qui a besoin de plus de monde pour perdre la vie. Parce que vous avez le bas volume avec question insécurité que nous connaissons déjà là, qui a un paquet de problèmes déjà. La situation compliquée. Moun pas même qu'a fréquenté 80% dans la région métropolitaine. Département de la Tibonite, même pareillement. Qui ça que monsieur fait? Si la messe est d'autres évalués là, qui ça que nous avons dit que vous avez fait? Qui bon pour la population? Nous pas qu'on est sous gain en base. Mais moi-même, nous cherché la situation, nous pas jouons. D'après ça, diverses sources rapportées renouvellent la situation. Premier ministre recevoir. Une résolution 5 membres qui signe pour Mandel pour l'aller. Sous ce qui parlait avec journal là, fait qu'on est Laurent Saint-Cyr, Edgar Leblanc-Fils, pas signé résolution. Et n'a pas rappelé, depuis quelque temps, il y a une grosse division entre PM Gaïkoni avec gouvernement et KPTA pendant la population haïtienne était dans une situation qui est extrêmement difficile. Nous continuons à courir, quitter la caillou et par rapport avec problème de sécurité. L'hôpital toujours pas fonctionné. Ambulance conseille des actes qui ne pas fréquenter pour porter médicaments, pour mener malade à l'hôpital. Mais vous avez pour pouvoir les personnes. Président conseil présidentiel transition, Edgar Leblanc-Fils. Président ou bien conseil présidentiel, Frinel Joseph. Premier ministre Dr. Gaïkoni, à quelques mois dans le gouvernement, qui était là-dedans, ministre condition femme, eh bien, Madame Marie Françoise Suzanne, ministre défense, Monsieur Jean-Marc Bercier Antoine, et puis commandant en chef l'AMEA. Général Derby Guerrier, avec plusieurs autres personnalités importantes dans la société, a participé dans la cérémonie 30e année existence ministère conditions femmes et droits femmes. Ils ont discuté sous question. Regardez qui j'ai au cap Bajaret avec droits femmes, ils ont dans le pays. Cependant, M. Damien Mouton Kaipe représente M. Damien jusqu'à présent de là-dedans. OK? Ils ont participé dans l'activité qui est liée avec ministère conditions femmes et droits femmes et ils ont ignoré. Présence, mesdames, yo, dans le conseil électoral provisoire, dans le Champouel, qui a parlé. Et faut que nous disions que le président KPT, dans le discours, profitez, demandez, pour continuer de travailler ensemble dans la société, parce que pas aucun gros changement positif qui a fait sans participation, mesdames, yo, Blaise Peterson, Zami, internautes. Représentant KPT, dans l'activité, si là, montrez une autre fois encore, volonté, conseil présidentiel, transition, selon yo, pour continuer de travailler avec mesdames, yo, et puis valoriser. Droit que vous gagnez, ou bien position dans le pays, blessé. Deuxième, l'autre que nous là, c'est question d'apprendre que les militaires salvadoriens ont réalisé plusieurs exercices dans le cadre de déploiement qui ont été fait en Haïti. Militaires et salvadoriens, ils ont même qui militaires l'armée R, ça veut dire en l'air, dit militaires qui sont spécialisés dans la question avion-hélicoptère. Mais il y a pour déployer très bientôt en Haïti, mais ils ont commencé à entrer dans divers exercices la caillou dans le pays et Salvador. Et pas oublier que le groupe militaire salvadorien Sayo, il y a rentré pour venir capable dans la question évacuation, hélicoptère et moun. Alors, on dit soit policier, soit militaire haïtien, et soit deux membres dans la mission qui t'a blessé pour capable évacuer, on dit aller avec eux à faire prendre soin et quand on nécessite. On va regarder ça. Et pas oublier des événements, c'est que
Gagnent et ville Lagonav qui sous Iléan, li recevoir plus passer 1500 déplacés forcés à Kayer depuis qu'on connaît bandi yo te fait attaque sur mon Kayer. Et bien moun ki obligé courir quitter à Kayer, et bien yo obligé prendre ti bateau ti canot bois fouiller sa Iléan, risquer la vie yo pour aller à Kayer qui donc alors pour aller et Lagonav. Et bien on dit que situation va être très compliquée, mais pour déplacer forcés à Kayer sa yo qui obligé au même rentrer tu rapide de presto dans Lagonav pour pas victime en babal ou bien en bamé bandi armé. Et là, dit que selon UNICEF, il fait qu'on est que, il y a plus que 3 millions de timoun qui besoin d'aide humanitaire. Mais timoun, ça qui besoin d'aide humanitaire, là, c'est à cause question et insécurité, zak vyonès gangyo, question instabilité politique et mettez avec catastrophe naturelle. Autorité dominicaine, pas campé dans déportation fait et compatriotes haïtiens, la caille voisin. Et là, dit que, eh bien, 6 ministres d'affaires étrangères, d'Haïti, hein. Dominique Dupuis, l'État fait qu'on est qu'il y a une baisse considérable dans la quantité et haïtiens qui diminuent et qui ont déporté la caille voisin. Et bien, qui est ministre et autorité dans le gouvernement dominicain, hein, et bien, qui fait qu'on est c'est menti par une question de baisse dans la question de déportation haïtien. Et il fait qu'on est qu'il y a même décision, hein, chaque semaine, il y a déporté 10 000 haïtiens qui irréguliers la caille aux amis internautes. Je dis en là, situation, il peut être vraiment compliqué et les amis internautes par rapport avec la situation qui vient la question insécurité et bien qui va suspendre grandir dans la société. Et je dis, je veux que chaque monde comprenne que ça qui est là comme réalité et ça qui est là comme situation, lui vraiment peut être très très compliqué. N'apprendre que ça kidnapping n'est pas campé des Ivenes, qu'on apprend que plusieurs cas kidnapping qui enregistré je n'étais vendredi 8 novembre 2024 là et en dit dans la capitale haïtienne non et parmi moun qui ont kidnappé yo mais que plusieurs élèves l'école que bandi kidnappé dans capitale haïtienne non et désir Ivenes. C'est moun dit que je la situation peut être très compliquée et que ce zak kidnapping n'a recommencé encore parce que m'oublie me dit nous ça ouais les gars mais yo les qui ont pas jeune en rien yo pas jeune moun pour yo prendre pas jeune et kay pour yo pas jeune bagarre pour déchets billet yo va commencer retourner avec question kidnapper moun en dans pays et ça fait les ça c'est mettre quoi qui pouvait quoi par rapport avec situation qui vient là comme insécurité des ambassadeurs américains accrédités en Haïti monsieur Dennis Hankins et puis directrice USAID Jennifer Link qui participer dans conférence dans Atlanta aux États-Unis mais projet financement service assainissement résilient avec climat qui financé par USAID mais qui était présenté par Andy de autorité ça yo dans quatre séances de travail ça et bon dit que des UNS dossier mission multinationale soutien sécurité à Haïti et bien dossier multinational soutien sécurité à Haïtien MM et MSS et président pays Kenya c'est pas oublié c'est Kenya qui a dirigé mission ça et bien monsieur Palé monsieur Relé mais président alors président élu États-Unis qui c'est Donald Trump n'est que discuté quand même commencer parler sur question avenir mission ça et président et vraiment l'idée by et Donald Trump yon l'idée rapide sur question travail mission à faire en Haïti est-ce que ça dit que yon pral discuter vraiment pour que avec rivé Donald Trump dans pays États-Unis le 20 janvier qu'il va prêter serment est-ce que pral gen un super pral avec et Haïti pour permettre qu'il y ait la paix en Haïti ou dit mais est-ce que président et Donald Trump les mêmes pour commencer pour au moins fermer Gilles ce dossier haïtien que beaucoup connaît mais l'important c'est que président Kenya William Ruto et monsieur toute dernière information monsieur parler monsieur relé Donald Trump n'est que parler mais ce dossier et mission en Haïti désir Venesse. Bon désir Blaise frère je tiens ça passe en Haïti hein. Parler avec Donald Trump parler avec quel que soit mon guélia, c'est l'affaire d'Haïtien. Mm-hmm. C'est pas Haïtien qui décide pour résoudre le problème de Blaise. On garantit le problème dans la perdurer, le problème dans la continuer, prend et dimension au lieu que nous qui les résoudre. Et ça qu'a fait la Blaise entre mon nota qu'a dit, qui c'est chef d'État, mon nota qu'a dit, qui c'est autorité là, eh bien, vous sentez confortable. Si peuple haïtien n'a pas pris responsabilité face avec ça qu'a décrit là, Blaise me garantit. Dans 4-5 mois qui sont venus, il y a plus compliqué. Et nouvel an qui a avancé,
l'a avancé avec malheur, l'a avancé avec douleur pour peuple haïtien, les personnes. Parce que pas ouais, niveau conciliation, à réconciliation, non mitan équipe ça qui a dirigé pays a, au contraire, yo c'est symbole division entre yo et qui par modèle pour une population qui déchirée presque dans tout niveau des monde qui cherche assistance tout partout de la situation. Désir, m'oublie non, m'gravine avec ancien président Justin Privet, président provisoire en 2016 qui était organisé élection et qui débat nous avec qui débat nous Jovenel Moïse comme président. Eh bien, nous m'gravine avec Justin Privet et qui lui-même parlait sur le dossier qui est là et bataille qui existait entre KPT avec EPM Gaïkouni. Entendez Désir et puis là, mais m'oublie dit nous ça. M'oublie dit nous ça. Dans les cap vini là yo, pays a ka tombé dans véritable bouleverse. Parce que révoquer gouvernement Konilan, est-ce que c'est ça solution? Est-ce que ça cap porter solution avec problème nous là? Changer ministre dans gouvernement, est-ce que c'est ça cap porter solution dans gouvernement? Révoquer trois conseils que nous citer dans scandale corruption en capitéen. Est-ce que c'est ça qui a porté solution avec crise qui est là? Bon, me pose des questions. Ou même, cap tende et cap gade nous là, yo, ou capable écrire sur vous dans les commentaires. Et si m'da pose des questions à Désir, ni cap été conseiller présidentiel transition, yo. Et Gary Konak tout gouvernement là, ou même cap gade, cap tende avec Désir Venès là, combien de tabay sous tabay ou notre, ou tabay ou moyenne? Comme au tabayo, est-ce que c'est zéro pour ni KPT ni Koni? Est-ce que c'est pour KPT zéro pour Koni? Est-ce que c'est pour Koni zéro pour KPT? Ma koné. Et sous ta présenté un bilan, sous ta bay un bilan, est-ce que ta bay un bilan positif pour Koni, un bilan négatif pour KPT? Hein? Est-ce que ta bay un bilan positif pour KPT hein? Et un bilan négatif pour Koni? Mais est-ce que ta bay un bilan positif pour tous les deux? Ou dis-moi, est-ce que ta bay un bilan négatif pour tous les deux? Je vais te répondre dans le commentaire là. Et réagis. Parce que moi, je dis que, c'est notre information qui a venu nous, bataille entre KPT avec Koni, elle prend l'autre dimension. Elle prend l'autre phase. Et l'autre phase qu'elle prend, l'improbable dans les cas venus là, nous sommes capables de dire que KPT a révoqué tout gouvernement qu'on a. Bon, bien qu'il y ait été nommé, il y a eu le pouvoir de révocation tout. Mais au cas saisi ou tout, que bagala avait une plus compliqué. Parce que. Est-ce que nous avons dit directement qu'il y a eu le pouvoir, de révocation parce que c'est eux-mêmes qui étaient nommés, qui étaient votés. Bon, comme je dis. Comment ça a comme problème? Yeah, non, mais qu'on a avancé d'aller. Le fait que je joue office de la présidence, et comme Kounia tout pas gagné ça et parlement, fanny bagala tout. Pas gagné. Si, ça m'a venir avant. Ah bon, OK, si t'es que parlement alors même pas même parlement tout. C'est bien ça m'a dit mes amis. M'connais que mon qui pral comprendre ça m'a dit il va dire ah bon, mais ça désir faire défense et ceci ça c'est le bon. Si que parlement, c'est bien. Et moi qui dois avancer désir. Député que parlement, sénateur député. OK? Sénateur député. Et t'as dit ça m'a dit. Depuis gouvernement est installé, depuis c'est pas on va qui lié avec une violation qui tellement alors on trahison de nation que le fait dans dimension pour t'a mandé pour t'a faire révocation sous place parlement t'a attendre une période de 6 mois pour évaluer travail gouvernement pour le voyer l'aller et qu'on s'allie dans moment leur pays kounya. Comme pas de parlement, c'est quatre bouts de papier mettez dans ça ou là, ni décret et on dit accord 3 avril, décret 11 mai salien qui mettez dans ça ou là. Le fait que son décret ou accord météo, il doit dégager un consensus, il doit dégager une énergie, OK, pour que yo capable jouer une entente avec problème qui existait dans météo. Parce que ouais jamais Gabi Blaise avancé il dit que KPT a comment et je conseille inculpé pas aller dans devant juge là parce que pas gain la cour de justice elle dit il jouer sous ça c'est ça pour nous comprendre nous désir ouais dimension débat faut que dimension pour comprendre et ouais là quel que soit le KPT le téléphone comme bagala même Jean met Gabi Blaise qui c'est avocat Emmanuel Bertillère et qui c'est non et conseiller que non cité dans scandale corruption BNC. Ouais mais Gabi Blaise dit que
c'est la haute cour de justice qui t'a dû étendre et conseiller ça. Et parler de la haute cour de justice, l'état doué que et parlement avec sénateur et député puisque pas des parlementaires, ça veut dire juge Benjamin Félix mais il pas compétent pour l'étendre et pour l'étendre trois conseillers ça. Et bien, c'est même gens si n'a rété dans l'institution bien que je dis pas des parlement mais gè bible chita sous ça et bien koni lui-même li montre nèg pas a plus b tout qui l'a capable révoquer un ministre ou capable révoquer au gouvernement c'est si des parlement après 6 mois l'étape évalue travail par travail gouvernement si que pas satisfait yo t'a révoquer un ministre ou dit monsieur yo t'a révoquer tout gouvernement qu'il y a dans face que nèg fait là c'est comme si moi ou venir là ba mes femmes tête pour aller parce que pas oublier puis gros problème qui existait avec qu'est-ce qu'a pété hein des iphone baga la clé et qu'est-ce président tournant là ouais qu'est-ce ça président tournant chaque 5 mois li c'est plus gros problème qu'a pété hein c'est ça vous connaissez bien on dit ouais qu'il y a les égalités là égalités genou harmonisation ma connait comment tu arranger avec Koni que t'a dit il t'a bien passé avec Koni mais depuis les festivals qui a venu hein le 7 octobre pas jamais gen un conseil des ministres. C'est-à-dire, marionnette entre Lesti Voltaire et Koni, li pas passé bien. Et c'est presque même gens, li capable même gens. Si après Lesti Voltaire, pral gen et Fritz Alphonse Jean, qui sont là, voilà, tout. Ou pas jamais connaît que si les Fritz Alphonse Jean vient président et conseil là, si Koni t'a arrêté, si pral gen de problème dans mitan nèg yo. Alors que si t'es un seul monde, qui c'est le président conseil là le moun yo était là comme coordonnateur avec li bokotel yo t'a avancé avec elle et ben tout ça que t'a discuté en termes de décision il t'a arrêté il t'a discuté non on pas fait harmonisation parce que là son bataille Lavalas et puis PHTK mette avec Makout parce que laissez voter c'est Lavalas rouge gars connaissait PHTK et li gè 102 Makout là li elle dit son bataille qui existait là n'est pas réglé cause pays qu'on y a fait des autres lignes d'accord ça qu'on y a fait des autres lignes par rapport avec salde dit salde promettre jusqu'à présent un peu que j'aime qu'a fait vraiment mais capeter a fait des autres lignes tout parce que capeter avec trois noms qui cité dans la corruption faut qu'on qui dit avec eux selon en pile monde selon en pile acteur mais est-ce que capeter a tout à travers ensemble de conseillers qui dégage des chantiers dans méo qui ça ben comme bilan comme résultat de chantier gagnant. Qui ça comme résultat? Qui ça résultat conseillé là qui là yo qui gagne des chantiers sous compte yo? Est-ce que va être résultat? Non. Oui là c'est ni capeta fait ni capeta à zéro, ni Koni zéro. En avance déjà parce que m'a avec l'estival et avec Yuslem River. Là ça m'a dit que sous point ça, moi clair, m'a pas dit que est-ce que conseil présidentiel ou bien conseil présidentiel transition hein? Les provisions légales parce que c'est été voté, c'est été bail pouvoir pour le révoquer. L'été voté le bail pouvoir à partir de yon accord politique. Pour moi-même m'a sorti au correct, est-ce que yon en dans accord politique qui a été signé entre yon, qui te permet que yon te rend Gary Koni te vienne comme premier ministre. Parce que ouais que Gary Koni l'a plaidé en faveur respect des accords politiques qui ont été ensemble. Parce que jusqu'à présent, on sait présidentiel de l'autre côté. Il n'y a pas en accord à Blaise. Songez, c'est parce que depuis en la gang, depuis au début, il était déjà violé accord politique. Là, Moïse Jean-Charles était arrangé qu'il te mettait premier ministre. Donc, en plus, dans nous songez ça. Et ça ne t'a pas le permettre, tu étais obligé de garder majorité à, avec un autre jeu, un autre calcul, avec plus de quantité de membres qui ont voté en dedans conseil. Est-ce qu'elle doit continuer? Dans la discussion, dans la bataille qui vient là. Est-ce qu'elle a dû faire objet de révocation à craser le gouvernement? L'elle connaît pour arriver à jouer ensemble secteur qui pour arriver d'accord. Nous mettons l'autre gouvernement campé sous pied, pendant que nous avons souffert, nous avons mouru grand goût, l'hôpital n'a pas fonctionné, la police a plein, dit pas d'équipement, pas de matériel. Et le premier ministre, Dr. Gary Koni, dit li évaluer, questionner avec la communauté internationale là, soit ensemble ça qui a offrir avec force de l'ordre en Haïti qui pas répondre et c'est 40% qui ont gain là. Dans ça qui ont te promettre que t'a balla mais moitié pour arriver.
li mandé avec monsieur Damo qui dans conseil présidentiel transition l'autre branche exécutif là qui pratiquement gon pouvoir en part entière. Bon exactement parce que ça veut comprendre et chez gouvernement konia c'est chez capité allié parce que koni dit bagala clé désir koni dit que gouvernement qui a 14 ministères là capita gè 10 ministres avec communion li gen ensemble li pa résumé en Port-au-Prince tout simplement li gen ensemble communion section communale yo qui gagne mode d'opératoire et administratif yo c'est kazek asek délégué ville magistrat et les vice-délégués à travers les arrondissements et les délégués départementaux qui a si gen droit de nomination sous moun sa yo c'est la présidence. Depuis tant, qui ça empêche nomination ça au fait. Toutefois, que mairie n'a pas fonctionné. Toutefois, que assemblée section communale n'a pas fonctionné. Limité gouvernement pratiquement en difficulté. Quel était ministre environnement? La besoin ni casek la ni asek la pour travailler avec. La besoin ni magistrat pour travailler avec. Quel était ministre intérieur? Li besoin moun sa ou même pour travailler avec. Si yo pas là, ou ta ka di que et conseil présidentiel yo a arrangé que yo mette yon balcade pour empêcher que même gouvernement li avance. Cependant, les plus gros problème que moun yo ta dwe gen avec conseil présidentiel yo pas aveugle, déjà yo te calé. Déjà yo pas l'autre côté que nan tête yo. Yo te wè clair, yo te comprend. Yo gen 10 ministères ba mais yo sur 14 ministères. Qui est-ce qui vote? 4 ministres régaliens qui a boumen pour yo blaise. C'est même yo même qui vote yo. C'est même lui-même, non? Il était capable de voter et non favorable avec eux. Mais on a choisi. Je dis, hein, c'est parce que nous avons aboumé pour yo procurer plus de pouvoir, pour yo procurer plus d'intérêt dans ce moment de transition. C'est après qu'il a aboumé comme ça, la situation. En nous venant avec Jean Dian, c'est président et Jocelyn River, qui est même. Alors, président provisoire, bien dit, hein, et qui parlait, mais sous plusieurs dossiers, mais surtout bataille qui existait entre KPT et puis gouvernement Konin. Moi-même, moi toujours répété, pas de rien qui justifie que les acteurs politiques se sont entendus sur cette formule qui n'est prévue dans aucun article de la Constitution. Cette forme de gouvernance collégiale avec 9 conseillers présidentiels et un premier ministre. Or, moi dis, même genre que le conseil des ministres présidé par le premier ministre Ariel Henry et qu'a nommé un conseil présidentiel de 7 ou 9 personnes, il aurait pu aussi nommer un conseil des ministres. L'article 149 reconnaît au conseil des ministres présidé par le premier ministre les attributs de l'exécutif. Le conseil des ministres, sous la présence du premier ministre, exerce le pouvoir exécutif. Donc, il exerce tous les attributs de l'exécutif. Autant que l'exécutif peut nommer un premier ministre, le conseil des ministres, au lieu de nommer un conseil de gouvernement, il aurait tout aussi bien nommé un premier ministre qui se chargerait de former un nouveau gouvernement. Maintenant, ça fait déjà 8 mois. Que cette formule est devenue une réalité vivante. C'est le moment pour les membres de cette formule de cesser leur chicanerie inutile et aborder les vrais défis de la société. Les 8 dernières années, 2016-2024, il y a eu 3 investitures de président en République dominicaine. Or, pendant ces 8 années, nous n'avons investi qu'un seul président. Comment, avec une telle instabilité, les trois présidents de la République en Dominicaine, ils ont procédé à l'investiture, à 3 investitures en l'espace de 8 ans. Or, nous-mêmes, pendant cette même période, nous avons investi à un seul président. Ça veut dire, renouvellement personnel, politique, là, qui fait partie même de la dynamique démocratique que nous avons choisi, nous pas décidé de respecter. Et comment, avec une telle instabilité au plus haut sommet de l'État, nous qu'a garanti le bien-être de nos concitoyens quand notre seule ambition, c'est la lutte pour le pouvoir à travers une transition indéfinie.
Il faut, en toute urgence, que cette transition, défi de la société, puisse être abordée par une volonté légitime, librement choisie par le peuple à travers des élections honnêtes, démocratiques et critiques. Donc, il est temps de cesser cette transition et d'organiser les élections, si j'ai bien compris. L'objectif fondamental de toute transition, c'est le retour à l'ordre constitué par l'organisation d'élections. Maintenant, là, mon cap gade l'État qui gagne cet milliard. Now is the time. Les amis, pas pour te donner ça, non, des Ivenes. Les amis, je vais vous dire clairement dit que les pas qu'aux gens. Question par collégial là qui pas écrit aucun côté dans la constitution. Ça veut dire là, négocier avec une formule, ok, pas un problème. Je viens avec, je dis que ok, il y a pas de salcabay. Mais pendant 8 mois, alors 6 mois, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, bon, 8 mois. Oh, novembre, 8 mois. Pendant 8 mois, ça négocier là. Elle dit formule que c'est, t'as bien mes amis. C'est yo même encore proposé formule ba collégial 9 moun sa ou, et puis premier ministre non? C'est même yo même encore qui pas ka respecter ça ou te dit. Ouais, Justin Rivière dit que Ariel Henry qui t'ai pouvoir pour te nommer ba collégial ça et puis premier ministre, il t'ai pouvoir pour te seulement nommer comme si face mettre un premier ministre en place li. Il a besoin dans ba collégial 9 moun sa. Parce que ba ta plus simple désir. Bah, t'as plus simple. Peut-être soit que étant un premier ministre, ou dis-moi est-ce que je t'ai appris dans le coup de cassation. Laisse ça t'abgon, bah qu'on est jusqu'à dans le coup de cassation. Bah qu'on est ce qui va se t'abgon choisir. Et puis t'abgon premier ministre, ça m'a avec lui. Mais là, avec question, 9 mondes de 9 secteurs différents, 9 idéologies, et chaque monde a défendu ses intérêts clanique, et PM n'a qui vient à tout lui-même, l'a défendu intérêt clanique et tout, et que des ministres qui dans le gouvernement là, il a défendu intérêt clanique qui donc ou gen un exécutif que tout chaque grain monde a défendu intérêt clan yo, intérêt secteur yo, intérêt parti yo, intérêt monde qui voye yo, mais youn pa défendre intérêt peuple là. On continue de et comment Justin River? C'est pas coup de correspondance que des différences sont abordées et des suites dans la presse. C'est clair que y a une lutte pour le pouvoir là et de querelles politiques entre M. Voltaire et M. Kony. Qui regarde ou porte sous conflit ça au plus haut niveau et de l'État, M. Rivière? On m'a dit que les relations entre les deux chefs de l'exécutif, à savoir le premier ministre et le président, ne devraient pas faire l'objet de tant de conflits inutiles. Les responsabilités de chacun des têtes de l'exécutif, chef de l'État et chef du gouvernement sont clairement fixées par des dispositions de la Constitution. Mais ça, nous avons souhaité que tout le monde rappelle. Constitution 87, là, lui fait président entrer en campagne ou solliciter le support de la population, le vote de la population. Lui fait des promesses, lui prend des engagements. Malheureusement, il n'est pas habilité à travers cette constitution à mettre en œuvre lui-même ses décisions et la politique gouvernementale de la nation. C'est lui qui a dans l'élection, c'est lui qui fait campagne, c'est lui qui fait promesse, c'est lui qui fait engagement, mais pour implémenter engagement lui, pour le mettre en œuvre, il lui faut un gouvernement. Et le gouvernement, c'est pas lui qui le gère. Donc, or, il se trouve que premier ministre qui va le mettre en œuvre politique publique, c'est le président qui le nomme. Et c'est d'ailleurs et peut-être la seule décision que le président prend de sa propre signature. Donc il ne devrait pas y avoir de conflit entre un président et le premier ministre qu'il a nommé.
Et il n'y a pas non plus de subordination du Premier ministre par rapport au gouvernement. Ça doit être clair pour tout le monde. Les premiers ministres ne sont pas des subordonnés du président de la République. Ce sont les deux têtes de l'exécutif. Même quand un premier ministre aurait déclaré qu'il rentre dans le bureau président avec l'idée pâle, il sortit avec l'idée pas président, malheureusement, ça n'implique pas une subordination du premier ministre au président et encore faire du président le supérieur hiérarchique du premier ministre. Donc, pour moi-même, ça qui manquait, nous, ça qui manquait entre les deux têtes de l'exécutif Chamaille, c'est un minimum de sagesse et d'humilité. Un minimum de sagesse et d'humilité pour comprendre que les intérêts supérieurs de la nation doivent transcender sur les petites querelles de chapelle. Et m'a dit aux deux bagages. Les ministres des Affaires étrangères, de l'économie des finances, de la justice, de l'intérieur, les délégués départementaux, les directeurs généraux de la DGI, AGD, PNH, mais ouais, difficilement un premier ministre qui a empêché un président entretenir des relations directes avec eux. Et m'a le plus loin. M'a directeur général de la DGI. Le président de la République me demande chaque après-midi de lui communiquer le montant des recettes perçues au cours de la journée à travers un fax. Vous pensez que m'a tellement senti moi proche président. Et puis, je ne peux pas communiquer au Premier ministre l'information. Je ne peux pas communiquer au ministre qui soutient l'information. Deuxièmement, je suis ministre intérieur. Mes représentants au niveau des 10 départements géographiques du pays, ce sont les délégués du département. Je descends dans le bureau. J'ai une machine, tous délégués, de la cour du Palais national. Ils ont été convoqués. Ils sont en réunion avec le président de la République. Mais là, ils sont en réunion. Ils n'ont pas venu dire sa président dit. Ils n'ont pas venu dire qui instruction recevoir. Vous pensez que Mka Dio m'a fâché avec le président parce qu'il a reçu les délégués en mon absence. Président de la République. Je peux, en toute liberté, appeler un ministre, demander à le rencontrer. Et il a l'obligation de venir me rencontrer. Quitte à lui d'informer le Premier ministre que je l'avais invité à me rencontrer, mais qui instruction que m'bali et que instruction hein, la rapporte au Premier ministre, l'a exécuté. Donc, nous sommes en réunion avec le Premier ministre Yvon Neptune. Le président m'appelle. Monsieur le Premier ministre, je m'excuse, vous avez de m'appeler, il demande à me rencontrer immédiatement. Je laisse la réunion avec le PM, je vais rencontrer le président. PM, non, je m'en ai levé plus comme chef, président Mouel M. Vier m'a joué. Non, j'ai formé mon Premier ministre Magique. Et je me déplace pour aller rencontrer le président. Stress, sous clairement, si j'ai bien compris, Gon, vous parlez de humilité, sagesse, mais là, si j'ai bien compris aussi, Gon, question de sens de l'État qui serait à l'origine de ce conflit. Parce que clairement, à vous écouter, il y a une tradition et il y a des dispositions constitutionnelles et légales qui établissent la séparation des zones, les prérogatives de chacun, si j'ai bien compris. Mais le président de la République, l'article 146, il assure le bon fonctionnement des institutions. Ça inclut aussi le gouvernement. C'est de la responsabilité du président d'assurer le bon fonctionnement des institutions. Même quand le Premier ministre conduit la politique gouvernementale, mais c'est au président que revient la responsabilité d'assurer leur bon fonctionnement. Comment empêcher au président d'avoir accès directement à se charger de la mise en œuvre de ses engagements électoraux? Maintenant, là, nous parlons de schéma d'élection, nous avons une gouvernance et une présidence spéciale. Maintenant, il y a des gens qui ont observé, qui ont regardé, qui considèrent que l'inculpation de trois conseillers présidentiels qui appartiennent au corps, qui est le CPT,
fragilise le CPT. Et si vous aviez à gérer ça, quelle aurait été votre comportement par rapport à cette situation, monsieur le président? Et là, c'est un petit peu compliqué. Moins d'où déjà que cette formule m'a pas écouté au joint. À partir du moment où nous acceptons comme formule, nous si on accord sous lui, on reconnaît à ces messieurs la jouissance des prérogatives qui leur sont dues. Je ne vois pas comment, mais ça n'inclut pas que les faits qui leur sont reprochés, s'il y a des faits, ne relèvent pas des attributions du président. Parce que le président de la République a privilège de juridiction, je répète, le président de la République jouit du privilège de juridiction pour les crimes et délits commis dans l'exercice de ses fonctions. Si les crimes et délits commis ne participent pas de l'exercice des fonctions du président, la juridiction compétente, c'est la juridiction de droit commun. Maintenant, quand est-ce que la juridiction de droit commun peut intervenir? Et c'est là tout le débat. Du temps où le fonctionnaire exerce sa mission, il jouit de ce qu'on appelle immunité politique, à moins qu'il soit surpris en flagrant délit. S'il n'est pas surpris en flagrant délit, il faut attendre qu'il laisse sa fonction, qu'il laisse sa fonction pour que les tribunaux ordinaires se saisissent du cas. Maintenant, je dis à et gain de prise de parole de la part de certains secteurs qui voyaient représenter qui ont retiré confiance sur fort soit inculpé ou retiré dans la CEPA pour ne pas hypothéquer la transition ou faire des considérations juridiques, constitutionnelles et au plan politique. Et est-ce que d'après vous ou pas, présence M. Sao fragilise une cette transition? Même pas dire au plan politique, mais au plan moral. Ou quand le proverbe là, la femme de César ne doit jamais être soupçonnée. Des membres d'un conseil présidentiel qui gère les intérêts de la République devraient être des irréprochables. Maintenant, Clément, est-ce que vous dites par rapport à situation ça, c'est des mondes qui, comme Timbadou, Tadoué, font un geste de se mettre en retrait et permettre au secteur et d'intervenir et au Premier ministre et Monsieur Voltaire, président de CPTA, Ndakadi, essayer de redresser les relations pour et enlever plus ou moins ce grève d'hypothèque qu'il y a sur la réussite de la transition qui inquiète de plus en plus aujourd'hui. Pour être honnête avec toi, moi pas intéressé à ce que dit l'accord du 3 avril. Tant qu'intéressé, c'est la Constitution. Et me dit, au niveau moral, il y a un problème. Mais le départ de ces messieurs va ouvrir la voie à quoi? Et le risque de chambouler la transition est aussi visible. Or, comment est-il, après 4 ans, on s'achemine vers 4 ans d'une transition, finalement, que nous prenons décision pour nous dire, on mettait fin à la transition ça à travers des élections. Or, toute initiative n'a pas. Si l'objectif, c'est d'assurer le lancement du processus électoral, très bien. Mais s'il s'agit, pour certains, d'asseoir leur pouvoir, d'être les seuls 5 ans. Non, là encore. Je voulais quitter mon fin de temps et Justin Brivère parce que là, la fait une approche qui est très technique, mais pas oublié. Et c'est un ancien directeur général des GI, c'est un ancien ministre intérieur, c'est un ancien sénateur, c'est un ancien prisonnier et c'est un ancien président provisoire. Donc, Justin Brivère, c'est un qui passe dans l'État contre l'État net, ça l'a dit encore, l'important pour nous donner. Tout ancien directeur général des GI.
ancien ministre, ancien prisonnier, ancien sénateur, ancien président. Certains, d'asseoir leur pouvoir, d'être les seuls 5 ans, ils étaient organisés toute seule élection en 2015, que pas même lui conduit à terme. Alors que pendant son mandat, il devait organiser 3. Le président Moïse est resté 4 ans au pouvoir. Il n'a organisé aucune compétition électorale, alors qu'il aurait dû en organiser 3. Monsieur Ariel Henry, la toute première fois que je me rencontre, c'était le 19 juillet 2021, 3 jours avant la fin de son, avant la fin de son premier gouvernement, me dit Premier ministre, vous êtes là pour une durée entre 12 et 18 mois. Il faut rapidement lancer le processus électoral. Le 2 janvier 2024, il me rend visite. Il dit, Premier ministre, pas quitter le mois de janvier à passer son pas formé conseil électoral. Là. Après 30 mois à la tête de l'exécutif, il y a urgence que soit amorcé le processus de la fin de cette transition. Or, que ce soit avec M. Martelly, je dirais même, avec le président Aristide 2001-2004, Michel Martelly 2011-2016, Jovenel Moïse 2017-2021 et Ariel Henry, les acteurs politiques y ont mené toute forme de bataille, toute forme de guerre, pays loc, manifestation, grève, pour forcer le gouvernement, pour provoquer les départs de ces présidents. Mais jamais sur la question électorale. Depuis 8 mois, pendant 3 ans, mis Ariel là, où t'es jamais tant d'acteurs pour parler d'élection? Pendant 8 mois qui sont passés là, les acteurs politiques, est-ce qu'ils ont parlé d'élection? Or, les élections, ce n'est pas seulement l'affaire du conseil présidentiel, du premier ministre. C'est aussi l'affaire des acteurs politiques, c'est la société civile, c'est la population. Tout le monde te doit un seul objectif, un seul cri, un seul complet, relancer rapidement le processus électoral. Je dis à ce qu'il nous faut pour ne pas hypothéquer la réussite de cette nation, c'est que chaque acteur dans la société a assumé sa part de responsabilité. Parce que si cette transition échoue, on fait un saut dans l'inconnu. Et personne n'a qu'à imaginer ce qui se passait si rapidement nous pas monter toute volonté nous pour nous organiser élection dans le pays. Que c'est dans l'interview sur Magic 9 ou bien dans des conversations en background avec vous pour m'essayer de comprendre des réalités, on te dit nous que si nous allons dans le juge constitutionnel là, nous allons dans un état dangereux pour le pays. Et ou pas seulement dit qu'on dit ça, d'autres politiques nous vont parler publiquement au fond de ville. Nous faire aventure là, nous quelque part, ouais, ça nous paye comme prix pendant les derniers mois. Et là, on se bat des mots qui semblaient pour moi des mises en garde très claires par rapport à sa capacité, à plus douloureux que ça qui était nous déjà. Là, nous avons une hypothèse. Maintenant, si M. Privert, qui se dit là qu'il y a une conversation avec M. Henry, qui est un président que nous sollicitons dans cette conversation ce matin là, t'as gagné pour lui parler avec M. Kony. T'as gagné pour lui parler avec M. Voltaire. En considérant qu'il y a cette situation de conflit au niveau de l'exécutif, en considérant qu'il y a une situation de guérilla urbaine, de violence terrible et absolue contre la population, des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés, une douleur terrible dans des communautés qui sont victimes de massacres, économie écrasée, et il y a des mouna qui sont des chefs de gang ou, si vous voulez, des leaders de guérilla, et malgré qu'on d'accord sur l'appellation tout à l'heure, là, qui préconisent la prise du pouvoir par la force. Et lors du tableau, ça arrive, monsieur Privert, et quels sont les augures pour l'avenir, premièrement, et deuxièmement, si vous avez parlé directement à monsieur Henry, à part à monsieur Voltaire et à monsieur et Kony, qui sont à dire? Et...
Vous écoutez, vous écoutez. La lettre que M. Kony a adressée à M. Voltaire, il y a deux informations qui interpellent. Il parle des 700 000 compatriotes haïtiens qui sont forcés d'abandonner leur domicile et de se réfugier dans des abris provisoires, dans des camps de fortune. Deuxième, lorsque je suis élu président en 2016, les informations qui me parvenaient, il y avait 3,5 millions de nos compatriotes en insécurité alimentaire. Quand j'ai posé la question, qu'est-ce qui est à l'origine de cette insécurité alimentaire? La réponse était que nous avons raté la campagne d'hiver. Ça veut dire quoi? Élection faite en août 2015, élection contestée d'août 2015 à janvier 2016, nous n'avons manifestation à longueur de journée. Aucune disposition n'a été prise pour relancer les cultures que traditionnellement nous faisons dans le pays de ça. Et arrivé entre février et mars, 3,5 millions de compatriotes en insécurité alimentaire. La lettre du premier ministre, elle-même parle de... Aujourd'hui, les informations laissent croire qu'il y a près de 6 millions de compatriotes haïtiens qui sont en insécurité alimentaire. Au moment de qui prédiction, qui opinion, grand proverbe qui dit nous, chien gangou, pas joué. Chien gangou, pas joué. Je crois qu'il y a urgence à ce que les autorités politiques comprennent l'urgence de mettre fin à cette crise politique qui ravage le pays depuis tantôt 5 longues années et que le pays retrouve sa stabilité et que des investissements puissent commencer à être implémentés dans le pays pour offrir à nos compatriotes de meilleures conditions d'existence. Que diriez-vous, pardonnez-moi que m'insister sur ça, que diriez-vous au regard de la performance et de la conduite et du conflit de M. Kony avec M. Voltaire? Que diriez-vous à M. Kony? Que diriez-vous à M. Voltaire? Monsieur, faites preuve d'humilité et de sagesse pour comprendre l'éminente dignité de la fonction que vous occupez aujourd'hui. C'est l'intérêt de 12 millions d'êtres humains qui sont en jeu. Ils ne peuvent pas faire les frais de vos querelles inutiles. Je dis à Guéen, regard qui posait ces deux dernières questions avant de avoir à nous remercier. Finalement, les yeux, Bacon, les noms, mot pour l'offre d'entendre en grosso modo intervention et président privé, ça fait me quitter mon hôtel en vraiment, en une quantité pour capable d'entendre sa cap d'yant. Ce qui m'a pas dit sur ça? Alors, d'expérience privée dans l'administration publique, là, je pense que et ça t'a pensé d'autres élaborer et il t'a difficile pour pas bien position ça, mais pas oublier que Justin Privert et lycée yon Lavalas, ok, lycée Lavalas en dépit de tout et là pratiquement et c'est donc malgré discours analyse correct mais ouais senti quelque part on t'y en pensé pour essayer d'entendre regarder ça qui est là, c'est un temps qui est de gagner avec le conseil présidentiel, spécialement le président actuel du CPT, qui c'est également et représentant Famille Lavalas en conseil présidentiel de transition. Mais et, moi, j'ai remarqué que l'hiver, pratiquement, qui était content dans le temps avant, il y a un pile avancé qui s'est fait sous considération qu'il regardait là. Il montrait que, peut-être qu'on tout le temps parlait avec Nègre qui était venu comme chef d'État, président de la République, ou au moins, ouais, qu'ils ont qu'à mettre le pays sous rail, dans organiser l'élection, c'est qu'il va dire une faible situation. Et moi c'est ça l'éclair pour que mon yo comprenne par rapport avec la situation ça, mais sans regarder la désir parce que moi mon yo bien ébu de questions insécurité question ça, mais moi là on va revenir dans la Tibonite bien que par contre on est en compétence là avec ça, mais
Bon, c'est qu'une date de fond qui vient dans la Tibonite et qui permet de nous attendre. Parce que pas oublier, mon ponçon des parents, alors, famille victime, massacre ponçon des yon. Depuis le jeudi 7 novembre, il y a déclenché un mouvement. Et est-ce que c'est le cas possible? Ça a passé, ça a dit. Entre de quelques citoyens dans ponçon des, sous situation qui a passé dans la Tibonite après question massacre bandit, base grand griffio fait sur. Nous demandons justice avec nous. Je nous dis aujourd'hui à faire au moins 5 jours jusqu'à. Je nous dis aujourd'hui à faire au moins 5 jours. Il faut mettre l'action publique en mouvement contre criminels. Et si le commissaire du gouvernement, paquet dans l'ensemble, nous dit qu'il faut contrôler la police, il faut qu'on l'autre qui passe. Et pour yon attaquer gang nan. Mais son jouet nèg yo a fait là. Son jouet et la police, la justice, ou bien gouvernement pouvoir faire là. Son jouet. Pour qui ça? Son jouet manjete. Pour qui ça? Non, son jouet. Nous même nous pas venir là pour Kenya yon a couru. Même bien le travail. Non, mais pas cacher le but. Chaque soir après Kenya yon vin là, vin acheter Romba Bangou, vin acheter prestige. Et plaisir nèg yo vin. Nous même nous pas dans plaisir. Kenya avec la police, c'est pour nèg yo alba. Alcazé Xavier, en prologie, la police pas la police pas barrière fait, et puis pour faire barrière bois, ça veut dire pour venir loin, nex Xavier qui monte yo, et nex Xavier qui la qui monte niage, y a pas même qui monte par les nationaux, donc y a qui monte qui pire, l'élitant. Au moins, pour tout le monde, ça a mouru. Et puis, où est l'État? L'État a brassé. Au lieu pour nous faire des bagailles, c'est pété à boumer pour le ministère. Ou bien, primati à boumer pour le pouvoir. Ce n'est pas possible. Mais les gens qui mourent pas chien, les gens qui mourent, c'est les gens qui mourent. Ils justice. Et nous disons ça, lorsque nous cortège le CPT, ou bien cortège Premier ministre, nous à l'aise. Mais nous-mêmes qui en bande à l'aise, jusqu'à maintenant nous ne pouvons pas fonctionner bien. Et il y a une formation, nous avons kidnappé les gens sous Molenkou, nous avons kidnappé les gens sous Kafoupey, en bas de Blende. Ce n'est pas possible. Nous venons là, nous venons demander pour la justice, par la sécurité. À l'attaque, les gens. À l'attaque, les gens. Vous comptez quand on prend les gens, matériel. Vous qui comptez Blende, vous avez dit matériel. Matériel disponible. Nous demandons. Attaquer quand ça vient. Attaquer, nous mourons déjà. Nous mourons. Attaquer, nous voulons justice. Nous prenons le travail, nous prenons la terre, nous prenons planter et puis que nous récolter. Et pour ça, tout le monde est en train de faire de la vie. Pour nous, est-ce que dans le chantier d'intervention, qui s'annule comme résultat? Il faut faire ça avec impartialité. Il faut faire sans sentiment. Yeah. On fait sans sentiment. On fait sans sentiment. Nous d'accord que bilan qu'on est pour 4 mois pour selon un pli moun 0. Selon un pli moun 0 pour ça parce que premier ça a été diap essayer faire c'est rétablir sécurité jusqu'à présent et pourquoi j'aime fait. Alors, l'aime dit, aïe, pourquoi j'aime faire? Ça veut dire, attends, mon yo, pourquoi regarder? Il n'y a pas même comblé, même à 0,7%. Parce que pendant, ni Kapete en là, ni Koli là, gué massacre, gué territoire petit, commissaire crasé, commissaire boulé, ça veut dire, zéro. Aïe dit, pour insécurité, hein, rétablir sécurité publique là, que qui c'est premier point, dans l'accord 3 avril là, que Kapete a mette campé, que Koli a exécuté, zéro pour tous les deux. Zéro pour tous les deux. Zéro pour tous les deux. Parce que, est-ce que nous comprenons? Je dis à ma proposition, et pour capeter contre Koni, pour Koni contre capeter. Non. Moi, je position parce que, les gars tous les deux, ni capeter ni Koni. Moi, yo tout l'aide après que les affaires. Non pas ça fait peuple haïtien. Yo tout l'aide à défendre intérêt personnel yo, intérêt secteur, intérêt parti, intérêt relation, intérêt tisami, intérêt cocoda yo, mais non pas intérêt pays. Hein. Non pas intérêt pays. Hein.
Yo ka, regardez, yo ka fait tout bagay là, mais yo pas défendre intérêt peuple haïtien. Parce que pour tout après-midi vendredi qui c'est 8 novembre là, eh ben bal continue à chanter dans zone fort nationale dans zone Tolino. Kou la, ou pa ka konnen? Est-ce que c'est la police qui a tiré avec bandi yo? Est-ce que c'est bandi qui décide envahir moun Tolino? Et pour t'entendre dans la villa d'accueil, réunion entre Konya avec Mme KPT1, gen Régine Abraham qui sont conseillères, li vire de li aller parce que li critiqué et arrogant Gary Konya. Et Gary Konya li même sémenté parce que aucun ministre qui braler. Soit que yo révoqué tout gouvernement là mais pas aucun ministre qui braler. Konya dim Konya. Est-ce qu'il y a quelque bagaille pays? OK. Dim kounya est-ce qu'il a réglé sa affaire pays? Na moi pour moi. OK. Dim kounya est-ce qu'il a réglé sa affaire pays? Alors que yo dit tête yo ni capété ni koni. Yo dit tête yo que yo condamné pour le travail pour réussir transition ça. Et ba ça yo dit ni capété ya ni koni l'a parlé ba ça yo dit yo a travaillé ensemble pour réussir transition ça. Pour réussir transition et pour ça travail. Ba konn si nou wè. Ba konn si nou wè. Réussite transition en bas, nous même pas courel là moi-même. Bon, mon qui fanatique au Kawel. Mon cap courer capété à poel. Mon cap courer koni à poel. Mais nous même comme journaliste, comme directeur d'opinion, comme citoyen conséquent et peuple haïtien cap garder cap souffrir jeudi là avec plus que 3 millions de timoun selon UNICEF qui besoin aide humanitaire. À cause question violence gang, instabilité, mais avec catastrophe naturelle, je dis à ça pas priorité nek sa yo. Et normal, me comprenne yo. Mande chaque membre conseil qui là, monsieur Essiette yo ge petit. Moi, monsieur Essiette yo ta même ge petit. Mande kote petit yo, et petit yo, est-ce que yo parmi 300, plus que 3 millions de si moun qui nan en Haïti qui aide l'humanité là non? Mande avec chaque grain même capété qui est petite et petit sur certain est-ce que petit yo parmi plus que 3 millions de simoun en Haïti qui besoin aide humanitaire à cause de insécurité gang yo à cause de instabilité y a besoin non mande chaque ministre et PM ga ekoni qui est petite et qui est petit, monsieur certain. Mande, est-ce que petit yo, parmi plus que 3 millions de timoun qui besoin d'aide humanitaire en Haïti à cause de violence gang yo, ou de instabilité, y a besoin non. Et en pile na yo, petit yo, et même petit yo pas en Haïti. Mais pendant ce temps, petit palien, qui je dis en la, et nan kouri monte descend lié dans son côté lien c'est là goumen bat regardez vraiment là goumen pour prendre responsabilité comme papa et comme maman dans foyer yo mandé nek sa yo est-ce que yo même madame le petit qui a vu situation ça dit non non il ça fait me bliquer nous comprendre l'aime que me dit ni capété ni koni yo pa régler zafè pays na comprendre ça me dire même bagon capété m'a courir bagon koni m'a courir m'a ba information m'a fait analyse n'a fait débat ou comprenez n'a fait analyse n'a fait débat. Oui. Je dis, hein. Je veux que c'est ça pour nous comprendre.
est-ce que bataille qui vient là, litige qui vient là, torche qui a boulé entre deux têtes ça yo. Ouais. OK. OK. Je dis à comprendre qui est-ce qui oui. Pendant ça, je veux que chaque monde comprenne. Que je dis à un fait faisceau. Hein? Je dis à un gourmet. Je dis hein? OK. On comprend je dis hein? Que les que n'a gardé ça là comme réalité hein? Et réalité à qui ça lié je dis hein? Nous équipe ben bluffer en un pays hein? Nous équipe ben en dit deux têtes exécutives là qui s'est capété et connu. C'est parce que n'a dit que tous les deux yo pas travail dans intérêt nous. Parce que on paye pas qu'à difficile comme ça. Nèg yo gen 6 mois. Nèg yo gen 6 mois et 6 mois ka pété en dedans 6 mois ka pété 4 mois ga ekouni oui. Et nèg yo gen période de 12 mois, 12 à 13 mois devant yo. Pour yo faire élection. Yo dérefisé Antonio. Yo dérefisé Antonio, on peut y fin craser, on peut y fin bouler, on peut y fin dévaster, on peut y tourner désert. Au lieu que yo Antonio pendant période ça pour permettre que yo pote réponse avec situation Isaac connaît, y a goumé pour poste, y a goumé parce que me dit non, il va que d'avoir trois ministres et trois ministres à aller, il va que d'a faire si, faut trois conseils évoqués. Mais problème non. Oui. Eh bien, un ministre commerce avec industrie par honte, non? James Monaza a encouragé diaspora haïtien pour entrer à Haïti. Ou y a pris disposition pour sécuriser. Qui bo? Bon, même nous, même qui n'a capital payant là, qui n'a pas là, nous pas à l'abri. OK? Okay. Je vous ai un ensemble de ministères, un ensemble de bois, l'État qui t'est trouvé en bas de la ville, m'a dit météo dehors, et l'État tout profite des papes qui a retourné là. L'État c'est en les Pétionville, en les Oudelma, en les Tuges, je l'ai cherché. Quand il y a un diaspora qui est rentré, il n'y a pas de problème, non, mais. Mais pour diaspora qui est rentré, oui. Mais pour diaspora t'a entré vrai parce que dans moment décembre et
pi bon moment diaspora après inet après presque après presque on dit on année de travail OK après on année de travail c'est normal pour que li ta si elle prend si elle fait si vacances li elle fait si fait li avec famille que le gien non tel pas ouais mais avec condition ça Jean Bagala est là il est difficile m'a dit oui haïtien a toujours qu'à entrer diaspora gien mon cap toujours entrer gien mon qui entrer gien mon qui entrer mais kounya nous pas besoin c'est nous pas besoin c'est comme si c'est petit grain de grain mon cap risquer pour entrer nous besoin que c'est toute diaspora s'il décide le vle rentrer la caili quel que soit moment le vle quel que soit moment d'ailleurs qu'il doit capable entrer quel que soit moment qu'il capable gien et puis il décide entrer la caili et la caili la rentrer il doit capable entrer il va de gon pérez il va de gon craintif. Et je dis, en vrai, c'est dit, ministre, on met entré, l'État prend disposition, l'État fait ceci, mais ça, l'État, pourquoi j'aime prendre disposition pour débloquer votre matissant? Qu'on y dit avant, oh, dans le forum citoyen dans 15 coffres, oh, libre garantie, avant fin année, en fin année, on a 4 traversé Matissan, on a 4 traversé Canara. Bon, m'ta bien aimé ça, m'ta bien content ça, parce que moi m'ta bien aimé, même si nèg dans le sud, m'ta bien aimé, font rive la kamouen dans le sud. Yeah. Ok. Ok. N'a bien aimé comme si ou la débloqué vrai et faut entrer la caille moi men faut entrer la caille moi alwe moun yo parce que m'gen longtemps pa wè famille yo m'gen longtemps pa lè nan habitation yo faut moun ki konsa m'ap di ya. Mwen yon tan ba ale an ba pye bwa mal manche bon gren mango et la moment sa an ba bwa manti bode. Et moun man ga pil pwa Kongo nan moment. Pwa Kongo sèche, pwa Kongo ba ayvet. Ah! Et moun man nou manja pil pwa Kongo. Yeah. Et moun manja pil pwa Kongo. Et ma bon menti, mon menti pour Congo. Mon menti pour Congo. Et ma quoi, pas bon monde. Non, là, si vraiment c'est haïtien, ou ça m'a dit, hein, ou fait en Haïti. Vous comprenez ça m'a dit, hein? Débouté, vivre, vous comprenez ça m'a dit, hein? Parce que moment ça, c'est moment pour que vraiment Haïti décante Haïti, oui. Mais condition faut qu'on réunit. Pendant que condition pas réuni vraiment, et m'pap dit, m'pap dit, m'pap j'aime réuni, non? Ok? OK. M'ba di et moi même t'as souhaité pour une sécurité là. Moi pour une sécurité là. Pour que la vie reprenne normalement. Parce que c'est là elle a besoin. Et m'a on c'est tout aïe c'est besoin ça. Oui. Mais je dis hein,
Mais je dis, hein, est-ce que nous sommes vraiment est-ce qu'on est vraiment gen la volonté moun ki la yo? Est-ce qu'on est vraiment gen la volonté quel que soit te kapé tel te koni puis yo résout sa gen la? Mais m'a dit non. M'a dit non parce que egoumé abgoumé entre yo. Vous entendez? Ça a besoin vous, ça a besoin ça, ça dit pas bay ça, ça dit pas fait ça, ça dit pas fait c'est l'autre bord, soit attendez et puis t'a passé. Monsieur songe me dit non. Songe me dit nous peuple haïtien. OK. Songez, me dit nous, papa ici. N'a pas une troisième transition. OK. N'a pas une troisième transition. Et monsieur, dame, qui n'a pas fait élection. Parce que, y a fait problème ça, et perdu, et existé, rete là, jusqu'à ce que vous fait tout le temps, vous pour faire 13 mois, vous hein. 13 à 14 mois, vous hein? Et puis, le 7 février 2026 arrivé, laisse ça, il y a une chante 4 à moi, ben, Pepe Haïtien. Il y a pris Pepe Haïtien. Hein, Pepe Haïtien va le perdre. Hein, Ariel saute gaspiller, piller 32 mois, non, Pepe Haïtien. Hein, nous venons là, nous venons gaspiller 19 mois, et puis, nous pensons comme si, non, mon cher. Ah, comment qu'a passé la main, monsieur? Allez. Pas gain moun t'a prendre ça dans main nous. Pas gain moun t'a prendre ça dans main nous. Non. Monsieur là m'a bien dit. Parce que là, trop facile. Comme si Haïti est pour nous seulement lié. Haïti est pour nous seulement lié. Nous faisons ça, nous voulons avec elle. Je ne voulais. Haïti, pas qui m'a dit nous rien. Pas qui m'a ni dit nous rien, ni fait nous rien. Parce que Haïti est pour nous seulement lié. Et nous seulement qui est droit en Haïti. Hein? Gardez, je n'ai pas goûté entre nous là, n'a pas battu entre nous pendant ces temps, et moun pour sonde, fait massacre fait sur yo. Fond national, tout là, c'est du nez, bandit a couru de moun yo, y'a boule ka, y'a fait ci, y'a fait ça, tout là, c'est du nez, et bien nous, nous, style rete, rien n'était pour nous. N'a pas goûté pour poste, n'a pas goûté pour pouvoir. N'a pas goûté pour poste, n'a pas goûté pour pouvoir. Pas de problème. Nous mettons avancer. Nous mettons continuer à avancer, monsieur. Continuer à faire ça, nous voulons. Pays nous est pour nous lier, faire ça, nous voulons avec. Dégager nous, craser. Et piller, voler tout ça, nous voulons voler la donne, déchirer, piller, faire ça, nous voulons avec pays. C'est pour nous lier. Dégagez-nous avec. Dégagez-nous avec. Piller, je nous voulons. Faire ça, nous voulons avec. Mais, nous connaissons, créons l'histoire par un gomme. Et peuple, ça n'a fait passer contre misère, ça. Peuple, ça nous dit, nous venons pour nous aider, là, pour sortir dans sa lié là. Au lieu que c'est aider, nous venons aider. C'est pousser, nous pousser. C'est misère, nous venons augmenter. C'est souffrance, nous venons augmenter. Profitez, messieurs. Profitez, Jean, nous voulons. Yeah. Profitez, Jean, nous voulons. Faites ça, nous voulons. Avec PIP, nous voulons. Dégagez-nous. Et pour nous, Haïti, seulement, dégagez-nous. Dégagez-nous. Faites ça, nous voulons avec Haïtiens.
Parce que pas que Haïti pas que l'autre petit pas que l'autre monde encore la donne et le même seulement gouvernement dans capeté gouvernement dans gouvernement et la police par contre la police a réglé et mission qui vient là comme des mercenaires yo paye yo pour faire un travail pour faire un job là yo vient là comme câble ndé c'est normal ou pas est-ce que nous pas que Kenya mission pour femme nous est-ce que ben mission prend femme et l'état haïtien est-ce que ben mission prend femme autorité nous yo. Parce que yo vini là, yo se ki men koke met dans vagabond vagabond que nous y est, n'a pas que ça fait nous, yo prend forme nous. Yo prend forme nous. Et m'pa kontre moi-même. Non m'pa kontre non. M'pa bon menti m'pa kontre yo. M'pa kontre yo. Parce que c'est nous-mêmes. Vous comprenez? Par contre, vous voyez. Ok? Par contre, nous. Mais c'est ça, m'a dit. Bonjour, la joue. Bonjour, la joue, messieurs, dames. Ok? Continuez voler. Continuez piller. Vous comprenez? Continuez voler, continuez piller. Fait ça nous voulez, ça nous voulez. Voler, continuez piller. Vous comprenez? Continuez piller, continuez voler, ça nous voulez. Goumé pour poste, j'en ouvre. Fais ça, nous voulons, j'en ouvre. J'en ouvre. J'en ouvre, bode. Mais moi, t'es quoi quand même? Yeah. Moi, t'es quoi quand même? Que pays ça? Ok? OK pays ça ouais pays ça que nous prenons pour choix le papa choix le maman nous ouais nous prenons pour choix le papa choix le maman nous. N'a volé, n'a pillé, n'a fait tout ça pour faire la donne. OK. Oui. Puis ça qui donne choix le papa, choix le maman nous. Hein? Continuez piller monsieur, continuez voler, continuez goumer entre nous. Pour ça qu'a volé plus là. Ça qu'a volé pi bien. Hein? OK. Ça cap voler plus là, ça cap voler plus bien. Continuez faire monsieur. Oui. Parce que Haïti ça est pour nous les seulement, OK? OK. Pays ça, qui en pile moun, pas vle comprendre et pas vle faire effort là-dedans, non? Ok? Pays ça, qui en pile nan nous fait le tort. Ok? Nous fait le tort en pile. Et malgré ça, nous fait déjà. Malgré ça, nous fait déjà. Ça ne fait pas assez. Nous continuons à faire toujours. Nous continuons à piller. Nous continuons à voler. À faire corruption dans la boîte l'État.
a crasé l'État, a déchappé l'État. Ou le qu'une prime Haïti. Ou le qu'une prime Haïti, préfère à piller, à voler, à faire tout ça qui est mal. Ou le qu'une prime Haïti. C'est Haïti a pas dans plan nous. Haïti a pas ça pas dans plan nous. Haïti a pas dans plan nous. Haïti a pas dans plan nous. Et me comprendre. Les qu'une pas mettre Haïti dans plan nous. Me comprendre. Et me comprendre ça. Je comprends les qui ne pas mettre Haïti en plan nous. Je comprends ça. En tout cas, dégagez-nous, payez-nous pour nous faire ça nouvelle avec. Gagne ancien président provisoire, Justin Privert, qui tape intervenu sur Magic 9. Monsieur dit que pas de rapport subordination pour Premier ministre non, par rapport avec la présidence. Premier ministre, il n'y a pas subordonné président et il clarifie Justin Privert. Il dit, il noté. Base discussion qui existait entre Capeta avec PM Gary Konyan, faut que messieurs Damio joignent une relation. Et monsieur dit relation entre président Andadi la part de la présidence et premier ministre non, li pas doué faire objet un conflit. Et monsieur dit, constitution, li bay donné, il définit tâche, devient, définit tâche, travail, attribution, premier ministre et président. Et je dis, li pa wè, li wè chaque monde a fait affaire par yo, tâche qui définit avec eux même n'est pas fait vraiment. Et selon Justin Privert, il fait qu'on est de 2000, pendant 8 ans, de 2016 à 2024, il y a 3 présidents qui prennent fonction. Alors, il y a investitu 3 présidents, la caille voisin, et un seul en Haïti qui fait c'était Jovenel Moïse. Vous voyez bien? Pendant 8 ans. Donc, on passe pas dans non, on passe pas dans pendant gain 2. On va le dire 3. Passe gain 2. Ah bon oui, oui oui oui, oui parce que 2004 là déjà sont il y a qui commencé. De 2016 à 2020, de 2020 à 2024 et de 2024 à 2028 exactement. On reprend ça privé. Alors ce que Haïti gon seul. Et là et au poko connait qui les cap gon l'autre investi sur président. Comme si qui les cap gon monde cap élu dans tel pays, soit comme président ou bien comme président. Ou pourquoi vous garantit ça? Yeah. Ou pourquoi vous garantit ça là, avec mon qui là? Comment vous me dites? Ou pourquoi vous garantit ça avec mon qui là? Ok? Et privé clairement dit, pas aucun côté qui justifie sa rele causé et collégial avec question 9 moun nan sel nan tête ton pays 9 moun nan tête ton pays comprenez bien monsieur ay son pays spécial lié 9 moun nan tête un pays comme résident hein. Neuf moun nan tête on paye comme président. Yo chaque abri ki sa fait pa yo. OK? Yo chaque ap régler sa fait pa yo. Se gade ou tande Michel, mais ça ont si mal ta mais c'est. Et kis boulette moi. T'as dit André Michel fait qu'on est qu'il était dans la rencontre. Mais qui est l'absissement esclave, messieurs? Qui est l'absissement esclave, messieurs, dames? André Michel fier. André Michel fier.
qui était dans la rencontre, OK, et avec l'ambassadeur de pays la France en Haïti, Antoine Michon, et il était parlé sur divers points cap dominique qui est essentiel là qui kembe dans l'actualité pays d'Haïti. Madame Michel Fier, photo faite, vous comprenez? En tout cas, peuple haïtien, hein? Peuple haïtien, vous comprenez bien, m'a dit nous ça. L'ouvrir genou, caler genou, parce que je dis, hein? Pays d'Haïti a connu un moment très difficile. Et j'aime dire, Gaïkouni déjà notifié signature résolution ça, il y a 5 sous 7 membres qui sont capables de voter dans le conseil qui visait pour révoquer Gaïkouni. Laurent Saint-Cyr et Edgar Leblanc-Fils, ils ont même passé une résolution. Allez bien. Gagné 5 conseillers sous 7 conseillers eux-mêmes qui actuellement là qui signent une résolution pour révoquer Gaïkouni. OK? Pour révoquer Gaïkouni. Parce que Gaïkouni clairement dit faut capeter hein faut les prononcer. OK, faut les prononcer sous cause conseiller que nous cité dans scandale corruption BNC. OK, ouais, mais ça me dit là. Donc je dis hein. Essayez de comprendre. Essayez de garder. Pour nous, dans quelle dimension que mauvaise foi. Moun nou les politiciens nou yo oligat konpuyan yo mete Haïti. Yeah, gade pou wè. Jan ke mauvaise foi yo mete Haïti. Et je dis an, yo fè peyi sa anpil to. OK. Je dis, hein, il fait pays ça. Qui n'est pas en pile, en pile, tout. Et je veux comprendre ça. Est-ce que n'a décidé quoi zebra nous pour que nous quitter you fait ça avec Haïti ça
ou dit moins. Est-ce que nous avons engagé nous dans notre Haïti que m'a parlé en là? Moi-même, j'aime regarder des situations là. On a dit que ma volonté qui gagne la caille haïtien pareil moi yo pour que yo t'a engagé yo pour l'autre haïtien. Regardez bien pour ouais. Regardez tout ça qui a passé là entre Capita avec Koni. Hein? C'est comme quoi? OK? C'est comme quoi pour peuple haïtien tout bagage bien marché. Est-ce que vous comprenez? C'est comme quoi tout bagage bien marché. Pas de problème. Parce que sinon, mon cher, ou t'as joué un peu ici en lui-même qui t'a levé. Ou t'as joué un peu haïtien hein, qui t'a mobilisé. Vous comprenez? Qui t'a mobilisé, qui t'a campé et qui t'a baité un objectif et qui t'a dit que lui-même faut lui prendre destin en main, faut lui prendre décision pays ça en main. Parce que le pays n'a pas capable de comme ça. Le pays n'a pas capable de comme ça. Malheureusement, je dis, hein, nous voyons que le pays a fini de pas fini. Ok? Il a fini pas fini. Et pas vraiment que des haïtiens qui veulent prendre disposition, qui veulent prendre engagement parce que nous toute paix. Yeah, nous toute paix. Nous toute paix. Parce qu'elle nous dit, si nous parlons, je ne vais pas parler moi-même, parce que si je parle, tel bagage arrive. Et bien, c'est dans le parler ça. Et dans le parler ça, qui fait, je dis, hein, Haïti, le côté livré là. Parce que si nous ne parlons pas les bandits, mais vous allez prendre livre, prendre, comme si imposeront ça, non? Si m'a toléré si tiré yo. Désir Venesse, laissez-moi dire que dossier Capita avec Koni apprend l'autre dimension, journée et jeudi 7 novembre, non? Et vraiment, en plein que l'après là, en pile, moun a posé question, comment et ça finit entre deux têtes exécutives, là. Donc, entre PM Gaye Koni et M. Capita, yo. Monsieur Dame Conseil, pour nous dire bien, parce que, dernière information que m'y là, m'y a vu m'poté basse à m'éteindre, nous, yo. Ben, là, l'est vraiment compliqué, et ceci dit, nous capables d'arriver dans le cap venir là, yo, et vraiment, quelques des situations, ce qui pral encore plus compliqué et pral gagner des actions pral poser des dénonciations et qui pral fait entre Capita et puis Koni et pral gagner des décisions pral prendre et décision ça yo li pral vraiment et fragiliser capable dit et situation gagner là ou dis-moi ce que li pral augmenter ça gagner là comme situation et surtout avec selon Nations Unies je dis là yo parler de 700 000 haïtiens. Regardez bien
700 000 Haïtiens et que je dis à bandit et faire déplacer qui de la caillou pendant que et quantité moun k'ap déplacer qui de la caillou en bas bal bandit en bas sur bandit alors que outendé que et membre conseil et membre gouvernement y a goumé entre yo parce que besoin changer ministre y a besoin faire ceci y a besoin faire cela pendant ces temps misère souffrance grand groupe haïtien l'a augmenté chaque jour qui passait et m'a connait sin comme ça. Ba kon sin kon sa zami eterno, parce que ça qui arrive, ou même, ou pas en Haïti, ou dis-moi ce que, dans zone koto yé, et pas de situation insécurité ça, mais ou est, dans la région métropolitaine Port-au-Prince et Pays d'Haïti, gen yon grand goût dans bloc sa yo, gen yon misère dans zone sa yo, gen yon souffrance dans zone sa yo, et personne ne peut imaginer comment que la vie a tellement cher dans zone sa yo, parce que imaginons que, gen yon ensemble de et produits, gen yon ensemble de provision qui compte entrer une jeune moun sa yo faut passer sous non faut passer sous sud non et pas oublier que yo pas qu'à traverser donc je dis en là ouais imaginez comment que la vie a vinn cher. Je dis à pour acheter un petit go de dire ou dit au moins un de me dire faut regarder faut gagner bon moyen dans monde. Je dis en là ce n'est pas 3 4 5 moun qui vous mettez ensemble pour ta faire un bon manger dans caillou et dit nous va imaginer ça et nous pas comprendre ça m'a dit et nous pas comprendre ça m'a dit en tout. Pendant ces temps, misère, grand goût, souffrance, chômage, et jeunesse en fin désespéré, si moun yo ap moui et pas encore, si moun yo fait malnutrition, parce que yo pas jeune manger, pas gen la souyaye, si moun bak à l'école, moun yo souffri en battante, moun yo souffri nan kayo, pendant ces temps, deux groupes kamokin, deux groupes vagabonds, deux groupes à tout fait, rete dans te pays à goumen pour que ce pouvoir, pour que ce poste désire venisse. La situation ensemble rouge, ensemble zone qui a abandonné en dedans pays, y a augmenté. C'est presque chaque jour où je n'ai un quartier, où je n'ai une zone, dans Port-au-Prince, mon approuvé quittel par rapport avec ça qu'a vint je comme information dans l'attaque qu'a fait des gangs armés. Une situation qui paraît très difficile, dans la mi-temps, bataille qui gagne entre KPTA, une autre exécutif, avec primature qui se deuxième tête qu'a vous met pour pouvoir, pendant un pile fois, vous faire quoi priorité, c'est organiser l'élection, établir sécurité en dedans pays. Mais là, regardez, département de l'Antibonite, département de l'Ouest, ça cap décrit, il montre une pas qu'une volonté, bon côté monde ça aucun ta cap brûler autorité pour tabli sécurité en dedans pays à l'expression. Gagné jusqu'à présent, constat qui a essayé d'autre fait. Bon côté, si là aucun protecteur citoyen, Renan Edoville, mandat monsieur Rivé dans boutli l'expression. Oui, et protection de l'Edouville, madame, monsieur Benabou, qui a pile d'organismes droits humains et qui a pile secteur dans la société qui déjà levé royaux pour demander avec KPTA pour changer, monsieur. Madame, avancez les yeux. Très bien. Pour demander au moins, comme madame, monsieur Benabou, pour choisir un autre monde pour mettre dans la place qui pour venir défendre les droits citoyens de la situation. L'autre bagaille que vous connaît, bataille, déportation massive qui a fait en République Dominicaine, qui prend un autre. Chapitre. Ministre Affaires étrangères pays d'Haïti, Dominique Dupuy, te parle pour te dire que diminution sur quantité de monde qui a déporté par rapport avec démarche qu'elle fait bon côté communauté internationale là, qu'elle te dit pas, eh bien, République Dominicaine dit pas de bagarre comme ça. Elle démenti l'information, elle dit la poursuivre, chaque semaine, il y a pimpé dans le pays d'Haïti, plus passer 10 000 monde qui ont été même prévoir la situation. Question corruption en dedans pays. Non bien public ou bien que arrangé que mal fait. Michel Joseph Martelly dans raconté à travers ILCC cap frappé qui dit le pape camp. On pas connait à qui ça enquête qui a abouti. Mais de fait, c'est des démarches qui montrent au moins bien l'espoir pour nèg suspendre passer dans l'état pour venir porter aller, venir voler tout ça dans l'état et puis il a fait bien pour le peuple là, dans crasse pour le peuple là, dans la misère, les personnes. Pour journée mardi qui t'est passé. Te gen réunion travail qui te fait entre ministre touriste James Moura et gouverneur DRH là. Nous voulons parler de Gabriel Ronald pour te garder sur tout ça qui a passé dans le pays sur le plan économique. Qui j'ai cap essayé garder vecteur économique plus bien qui cap rendre que situation li améliorer en dedans pays d'Haïti de cette façon. L'autre bagaille qu'on doit connaître. Guy Philippe réagit sous réélection Donald Trump aux États-Unis d'Amérique. Selon lui, il estime que choix ça sans doute capoter un qui joue en plus pour le pays d'Haïti,
par rapport avec républicain yo, parce que selon lui ça l'a gardé là qui gagne dans pays a c'est et démocrate qui pote républicain a pote yon l'autre bagaille même que li vraiment douté qu'après le gain déportation massive tant que Jean Donald Trump t'a dit dans toute campagne li, surtout les moutés qu'il pas danser coller avec question immigrants qui aux États-Unis d'Amérique et c'est des situations qui te permettent en pile monde trouver dans une situation très difficile. Président Conseil présidentiel transition Leslie Voltaire qui t'a accompagné avec conseiller présidentiel Laurent Cécile, Fitzgerald Joseph et avec membre dans gouvernement, yo voulait parler de madame Christine Freestyle qui c'est ministre finance et économie. Et ben yo t'ai arrangé aux belles personnes pour yo t'ai participé dans grand activité et t'ai gain directeur général APN qui t'ai participé tout secrétaire Seattle et nous voulait parler de Christian Stevenson qui t'ai participé pour essayer de regarder qui gens yo cap rendre pays à puis bon service à travers gouvernance pendant gain en pile dans yo et que capeté a chercher retirer mais gain yo qui a serré les rangs, il a serré les coudes avec yo pour continuer faire ça au pito mais c'est pas ça qui prend l'intérêt pays d'Haïti la situation et dans dossier vous parlez de ULCC qui a regardé comment qu'il capable et légèrement alors moi déjà équipe lycée entreprise et parmi yo gagne entreprise luminescence gagne Belvedere moi si m'a trompé li mandé pour capable mener pour capable joindre des données gagne pour avec Andy Mateli madame li petite li qu'là yo pour par rapport avec monsieur dame ça yo comment que eux-mêmes est-ce que yo gagne l'argent que yo besoin gagne détail sur lui est-ce que monsieur ça investi acheter bagaille dans là ou dis-moi est-ce que entreprise ça yo c'est-à-dire entreprise qui a blanchi l'argent pour moun ça yo et bon en tout cas on va le connaître donc on demande à qui ça enquête ça va servir comme résultat bien moi même qui a dit que moi très douteux pour que pral gagne de résultats qui pral tomber avec enquête ça parce que l'éclair si je dis là il y a trois conseillers que nous cité dans le scandale corruption et malgré ULCC comme une institution étatique et qui t'a dû travailler avec toute indépendance et bien je dis en la ULCC ben résultat rapport et il dit que trois conseillers ça on a parlé de Louis-Gérald Gilles, Emmanuel Vettile, Smith Augustin vraiment impliqué dans le scandale de corruption et il demandait pour que la justice et agit contre monsieur Sayo et nous capable voir comment que et des séries de avocats ou bien des séries de a vraiment passé en bas pied et institution ça qui est l'ULCC qui est donc pour montrer que travail ULCC hein, c'est pas un travail et un dit qui fait avec impartialité et il pas fait avec objectivité c'est comme quoi son travail qui fait avec qui est force côté selon ça on fait qu'on est selon ça il dit alors que réalité hein, et selon un pile moun, li pas vraiment montré ça. Réalité à je dis, hein, selon un pile moun, yo wè que sa kap di yon, et yo montré que y a passé en bas pied, droit institution étatique nou yo. Que l'almené enquête sur question maté, li par rapport avec Andy ou ensemble de entreprise et Pétionville, yo estime que qui t'a blanchi l'argent pour la famille Matéli, est-ce que ça pral gede Andy et poursuivre avec enquête sa yo? Moi douté très fort, et moi dit moi, est-ce que vraiment que nous mettons attendre avec parce que je dis, regardez, jusqu'à présent, posez question, l'agent CIRH, jusqu'à présent, on n'a pas jamais réglé. L'agent Petro-Caribé, ou équivalent à Cap d'Ivoire, on n'a pas jamais réglé. Et l'agent qui se boule là, non, Ariel Henry, l'agent qui a boule là, non, monsieur Sakilayo, qui donc, en plus, mon habitat, il n'y a pas espéré et il n'y a pas attendre avec grand chose, dans la question de Désir Venesse. Et Désir, dans la question qui est pour avec encore, dossier réélection Donald Trump nan, et comme président États-Unis qui prévient exactement 47e président États-Unis gien pile moun gien pile expert gien pile andi des étrangers des chefs d'État et des américains d'origine haïtienne tout qui ont même des avocats qui résident aux États-Unis yo même yo commencé à poser des questions et ont commencé à faire des analyses avec rivé Donald Trump et comme on font encore dans mes blanches. Et c'est cas pour nous capable dire avocat Friendly Denis Julien. Monsieur qui c'est un haïtien d'origine mais qui c'est un américain qui naturalisé. Monsieur lycée avocat, l'a travaille exercer métier aux États-Unis et je t'ai parlé sur antenne Magique 9 et matin qui c'était jeudi 7 novembre 2024 là. Selon maître Friendly Denis Julien, monsieur dit que regardez bien mes amis, c'est Américain d'origine haïtienne et qui c'est un avocat qui vit aux États-Unis. Monsieur, c'est penser, c'est espérer, l'espérer. C'est ce que lui-même commence à suivre de Néo.
Maître Franck Denis Julien, monsieur dit que li pas espéré avec rivé administration de notre plan et de l'Ivenslan pral gen nouvelle sanction contre ensemble de acteurs haïtiens yo. A dit ça on met tout dit tout que dossier ça j'ai entendu yo pral sanctionner si va sanctionner ça. Je dit li pas espéré ça que pral gen des sanctions qui pral prend contre et des acteurs politiques ou bien acteurs économiques ou bien de monde dans société qui ont même impliqué soit dit frère qui ça sanction fait qui ça sanction utile bon ça est la question pas poser vraiment dit peut-être pas sanction pas utile a dit là même chez monde comme si que Jean moun attendre que administration Biden non pardon tu n'as pas venir là il va aider Haïti il va faire Haïti avancer monsieur dit non pas comme ça parce que pas oublier priorité yo priorité et by et Trump c'est pour les États-Unis et m'a venir tout à l'heure avec déclaration et président de la France Emmanuel Macron et m'a attendre tout à l'heure et ben mettre Frédéric Denis Julien monsieur dit clairement que il pas attendre que il pas espérer que l'aide comme pour venir pour aller des sacs pour continuer pour contacter haïtien mais pas oublier il y a ce qu'on appelle le département d'état américain le département trésor États-Unis et mais où il y a monde dans la plame yo et surtout ces pays yo dans le cas de Haïti là décider yo ka décider monsieur dit avec administration Trump là et comme si li pa pral bay comme si question moun ki impliqué dans question zam en Haïti et bien dans question crase pays li pa attendre que quelqu'un des bagay ki pral poser kont moun sa yo et toujours selon maître Franck Denis Julien monsieur dit que et capable pas gagner trop et alors capable gagner continuité sur un ensemble de dossiers en Haïti et monsieur dit ouais motivation et bien, ce que Biden n'a pas gagné, la question pour faire mission ça venir en Haïti, et bien, monsieur dit avec Trump, et les gens n'ont pas même mis taxes sur ça même. Bon, ça va aller pour tout, parce que pas oublier, c'est pour le groupe Moon, peut-être qui prend un entourage, li, qui prend une administration, li, qui prend garder avec lui les rivés, et analyser et étudier le dossier Haïti. Mais qu'on n'a pas oublié, avant même de arriver sur Haïti, ben Trump pral gérer de l'autre gros intérêt américain et ben intérêt Haïti pral primer attendez bien avant même que Trump pral arriver sur dossier Haïti hein sur ensemble de dossier Haïti a konnen la yo Trump pral primer intérêt la Cali d'abord qui donc était tant que ça qui arriver c'est sur 2 3 ans les pral presque fini mandat là dans c'est les salles pral mettre focus sur Haïti mais dans premier deuxième année mandat là li pa pral mettre focus sur Haïti selon maître Franck Denis Julien. Là encore, c'est peut-être, ça c'est peut-être analyse et compréhension, lecture, met, et Julien a fait. Mais il va, ça dit, il n'est pas obligé ça. OK? Il va obliger ça vraiment. Mais désir, ça me dit là, pour nous comprendre. Dans la question ça, qu'il m'a vu de notre réaction, mais je veux que nous comprenions. C'est bien. Si Emmanuel Macron, président pays la France, la France c'est une grande puissance mondiale. Parmi et ensemble de puissances mondiales, la France c'est une. Emmanuel Macron, il clairement dit que Donald Trump élu, mais réélu comme président des États-Unis, il est venu pour le défendre intérêt américain. Il demandait avec européen yo, est-ce qu'il est prêt pour défendre intérêt l'Europe? C'est bien, monsieur. Emmanuel Macron dit, et m'a attendu, Donald Trump réélu pour le défendre intérêt américain et européen eux-mêmes. Est-ce qu'il est prêt pour défendre intérêt européen? Est-ce qu'il est prêt à contenter pour lire l'histoire de l'autre pays ou bien l'autre pays a écrit bayou? Ça, il dit mon bagay. Il dit que je dis, hein, eh bien, chaque pays doit préoccuper des situations la Kaili. C'est bien ça me dit, hein? Chaque pays, chaque peuple, chaque nation, li doit préoccuper de situations la Kaili. Je dis, attendez, ne cap dit, venez trop à bon pour Haïti, et démocrate fait nous ceci. Je dis, hein, c'est haïtien qui doit préoccuper de situation Haïti. C'est haïtien qui doit préoccuper de situation Haïti. Mais dis encore. Parce que si, dans le niveau de la France, là, comme grande puissance,
Emmanuel Macron fait déclaration ça. M'a besoin de pour nous-mêmes qui t'y pays. Il dit, c'est nous qui a clair que c'est nous-mêmes qui pour d'accord, mettez problème nous sous côté et pour nous arriver, eh bien, mettez Haïti d'abord. Parce que, moun ki, j'aimerais un peu le leader politique haïtien, un peu haïtien, à mon cher, venir trop près pour Haïti, parce que ça, non, loin de là. Trop près venir pour le défendre intérêt des Américains. Intérêt des Américains. En nous vini avec Trump, et pardon, non, avec Emmanuel Macron, qui nous attendait des yeux. Nous attendait, et m'a fait mon yot. C'est vrai, en français, pas oublier, mais m'a fait déjà, bah, nous, grande l'idée de ça qui dit là dedans, même si c'était qu'une tendille. Yeah, si c'était qu'une tendille. Vous comprenez? Et je dis, hein, c'est chaque bouille qui boit dans le pâturage. Ou même qu'à paix de chèter 4 à moi, mon cher Donald Trump vient là, il va venir chercher de, il va venir chercher la situation à Haïti, il va venir de Haïti, il va venir faire ci, il va venir faire ça. Eh bien, alcool. Pas goût, mais pour nous changer la caille nous. Pas goût, mais pour nous mettre pression dans les autorités nous. Pour que nous changions Haïti. À mettre espoir sur l'étranger, à mettre espoir sur Trump, à mettre espoir sur ceci. Même j'ai appelé l'entrée mettre espoir sur Biden. Eh bien, Biden fait 4 ans là, ça fait pour Haïti de grand. Ça fait pour Haïti de grand. Seulement là, ok, au contraire, un point pour le monde, c'est mal fait payant, avec le programme pour l'humanitaire là, qui peut qu'il bonne cerveau, qui peut qu'il bonne cadre payant, qui peut qu'il bonne crème payant. Mais pas oublier, c'est même eux même encore qui créent ça qui est là comme insécurité en Haïti. C'est la communauté internationale, c'est les États-Unis, parce que pour qui ça, en pile organisme, en pile expert, ils ont toujours montré avancer par A plus B, majorité des âmes qui entrent en Haïti, ils ont sorti États-Unis. Elle avait dit, administration Biden, non, mais administration qui est passée avant, il y a une capacité pour contrôler les frontières, pour contrôler les ports, pour empêcher que ZAM sorte des États-Unis pour entrer en Haïti. Nous espérons quand même que la question ZAM qui va entrer en Haïti va diminuer avec Rive et équipe ça. Nous espérons ça quand même. Nous espérons ça. Nous espérons ça. Ok? Mais, nous mettons quand même que, et c'est pas jeune passé. Bon, ben entendez, et Emmanuel Macron, bah, c'est la bétérisse. Moi, je trouve que notre, au fond, moi, je trouve que notre rôle ici, ou au sein de l'Union européenne, c'est pas de commenter l'élection de Donald Trump, savoir si c'est bon ou pas bon. Il a été élu par le peuple américain, et il va défendre l'intérêt des Américains. Et c'est légitime, et c'est une bonne chose. La question, c'est est-ce que nous, on est prêt à défendre l'intérêt des Européens? C'est la seule question qui nous est posée. Et moi, je pense que c'est notre priorité. Et donc, ça ne doit être ni dans un transatlantique qui serait naïf, ni dans la remise en cause de nos alliances, ni non plus dans un nationalisme étriqué qui ne nous permettrait pas de relever ce défi face à la Chine, aux États-Unis d'Amérique. Et donc, c'est un moment de l'histoire pour nous, Européens, qui est décisif. Au fond, la question qui nous est posée, voulons-nous lire l'histoire écrite par d'autres, les guerres lancées par Vladimir Poutine, les élections américaines, les choix faits par les Chinois en termes technologiques ou commerciaux, ou est-ce qu'on veut écrire l'histoire? Et moi, je pense qu'on a une force pour l'écrire. Nos économies sont fortes, nos pays ont des systèmes de défense sophistiqués, et on représente quelque chose. L'Union européenne, c'est 440 millions d'habitants avec ses 27 pays, et la communauté politique européenne, c'est plus de 700 millions d'habitants. Si on décide d'avoir conscience de ce qu'on représente géopolitiquement, commercialement, c'est une puissance inouïe. Il n'y a aucun marché de 700 millions d'habitants aussi unis par l'histoire, des intérêts, des valeurs que nous autour de cette table, aucun. Si on se réveille et qu'on décide au fond de ne pas disparaître géopolitiquement et de ne pas être le marché d'ajustement des autres puissances économiquement et commercialement. Et donc pour moi ce moment c'est celui où on décide d'agir, de défendre nos intérêts nationaux et européens en même temps, de croire dans notre souveraineté, dans notre autonomie stratégique, et de dire au fond, on n'a pas envie simplement d'être des clients, d'être un marché qui est pris, de déléguer en fait à d'autres notre économie, nos choix technologiques ou notre sécurité, mais on veut pleinement se saisir de la question de la paix sur notre sol, de notre prospérité et de notre modèle démocratique. Pour moi, c'est ça les trois défis de la communauté politique européenne qu'on a discuté ensemble. Au fond, ça veut dire, voilà, ça veut dire, et l'Europe, communauté européenne qui est 27 pays et 700 millions d'habitants, Jean que et Emmanuel Macron dit comment c'est prendre au sérieux intérêt l'Europe. Et bien la France, non, l'Europe, 27 pays qui n'ont, on dit 27 pays qui n'ont et communauté européenne, l'Union européenne. Donc je dis, c'est comme ça que nous pensons ces pays. Et comme ça que nous réfléchissons et nous prévoyons comment pays va venir.
Parce que après, il dit, il va arrêter client seulement. Elle dit, c'est ça pour nous comprendre. C'est vrai, nous ne pouvons pas faire une analyse comparative par rapport avec comme c'est Haïti, la France. Non, mais écoute, moi-même, ça me dit nous, et ça me dit nous comprendre que là où c'est dirigeant, ou bien pour travailler pour défendre le pays, ou bien pour travailler pour mettre le pays dans une situation acceptable pour nous capables de vivre là-dedans. C'est là que moi-même. C'est là que je suis. Comprenez ce que je dis, hein? Donald Trump élu, réélu comme président des États-Unis, il va défendre intérêt États-Unis. Il va défendre intérêt américain. Et nous-mêmes, là, nous en Haïti. Parce que nous passons plusieurs dirigeants. Depuis notre temps, Bambo, qui est-ce vraiment qui te dit que y a travail pour établir un vrai système, un système national dans l'intérêt d'Haïti? C'est bien samedi, hein? Il y a établi un système national dans le pays. Hein? Et quel que soit président passé, quel que soit premier ministre qui passe, quel que soit parlement qui passe, quel que soit juge qui passe dans le pouvoir judiciaire, les OVNI, il y a toujours un système qui est implanté. Et ceci dit, il y a exécuté à la lettre le système ça. Et le système ça, il y a un intérêt pays. Hein? Est-ce que n'y a modèle, est-ce que n'a pas un des modèles Mounsayo, mais est-ce que tu travailles pour te implanter un système pareil? C'est là que je comprends. Moi-même, je ne connais pas si tout le monde désire qu'il y a d'accord avec moi, qu'il y a d'accord avec moi, et ou qu'il y a d'accord avec moi, qu'il y a d'accord avec moi. Je ne peux pas attendre rien de Donald Trump pour le faire pour Haïti. Même Jean, l'administration Biden, non. Je ne sais pas si tu as fait pour Haïti. Bon, je dis à Kadim, il fait. Parce qu'il met des programmes pour l'humanitaire. Bon, plus, on ne passe pas frontière. Mais si, ou vraiment, ou sommes qui lucide, ou sommes qui a de grandes pensées, a de grandes visions, et qui est pays d'abord, ou a dit que, quel que soit programme pour l'humanitaire, quel que soit monde qui passe par frontière, t'es toujours des gens qui entrent aux États-Unis. T'es toujours des Haïtiens qui passent par frontière. Oui. Mais, quand si t'es Haïtien qui a quitté Haïti pour, parce que pour la vie pas bon, pour insécurité, pour tout ça, quoi, pas bon, parce que pour violation, attendez bien, je vais me dire comme ça. Pour violation ensemble de droits fondamentaux, yo, droit à la vie, ça n'est les sécurités, hein, droit à la santé, droit au logement, droit à l'éducation, droit à la manger. Et si ensemble de droits ça a été respecté, si tu as ensemble d'infrastructures qui t'a fait en un pays, tu as de gros investissements, tu as ou tu as ensemble de bagailles, mais pourquoi me souvler haïtien, en pile haïtien, tu as prêté vivre en Haïti? Il est qu'à voyager, faire commerce, aller acheter dans le pays, entrer en Haïti, il est qu'à voyager, faire entrer social dans le pays, mais quand tu es haïtien, qui quitte Haïti pour la vie pas bon parce que insécurité bagage ça débité gain débité qu'un pays qui t'a fonctionné li pas t'a comme ça quand si t'es rien li pas t'a dans quantité ça. Donc je dis hein, on même qui maintenant tête tout son bagage avec rivé trop pral de Haïti pral changer m'a dit ça, quel que soit président américain, quel que soit administration américaine qui gagne qui prête être États-Unis, c'est intérêt des États-Unis d'abord, il a pensé avant après. Je vais pas comprendre même tout bagay. Pour quand si tes dossier qui c'est intérêt États-Unis, intérêt mondial, que l'administration Biden et Trump n'a pas géré là. Ou pas c'est Haïti va mettre avant. Comment m'a dit comment madame tout là non? Pour quand si tes dossier là que Donald Trump va gérer avec Jerry Vance, administration là. Ou pas c'est Haïti va mettre avant. On garde bien pour nous. Trop prêt le travail pour remettre les États-Unis en campé. Et comment ça prend? Et dans quel système il va commencer à prendre? Et pas oublier, il y a un gros malais pendier là sous de l'armée.